Première position, la paume ne touche pas les cordes, ne touche pas les basses et j'obtiens un son clair de basse. Deuxième position, ma paume appuie sur les basses près du chevalet et j'obtiens un son qui est très proche du son de la contrebasse. Et la troisième position, ma paume frise, enfin frôle les basses et j'obtiens un son frisé qui est très très efficace pour le blues. We'll be right back.